Let's go! Hey, vous préférez cet angle-là? Angle numéro 1 ou angle? Numéro 2. Un peu plus zoomé, un peu plus centré sur moi, quoi. Qu'est-ce que vous préférez? Ok, yo les mecs, ici yo mec, j'espère que vous allez bien les refs, j'espère que vous allez bien là, je vais tout casser, j'ai envie de tout casser frère, je suis trop content de filmer. Pour de ça, je vais me calmer parce que sinon mes voisins ils vont encore me casser les couilles. C'est bien là, les couleurs sont bonnes. Les couleurs sont bonnes comme Madaron. Ok les refs, là on est dans du sérieux, c'est bon, j'arrête les conneries. Ok non c'est bon les refs, là on est sur du sérieux, je me concentre, on arrête les conneries. Aujourd'hui on va tester des produits. Vamonos a testar diferentes productos. On va tester différents produits pour le gaming. J'ai pas mal de petits colis Amazon là. 4 et un autre qui vient pas d'Amazon. J'en ai un, il est pas mal gros. Et on va voir ce que ça donne pour Fortnite hein. Parce qu'on adore Fortnite ici hein. Ici ça joue qu'à Fortnite, on est des Fortnite gamers. On va tester ça les refs, je vais tout déballer. Vamonos ou pas, Vamonos ou pas, Vamonos. Premier produit les refs, hand warmer, qui veut dire chauffe-main. Le concept de cet objet là, c'est censé te chauffer les mains avant de faire du gaming. Pour être plus efficace, pour mieux solo build, pour tatatitata. Si, je comprends pas comment ça s'ouvre cette main, je comprends pas, mais... C'est comme ça, ouais. C'est tout petit, ça ressemble à ça. Il y a un petit truc USB comme ça, je crois que c'est pour le recharger. Mes mains elles sont normales, elles sont ni trop froides ni trop chaudes. Je vais voir si ça va me réchauffer les mains. Ok. On va faire un test douceur avec tous les produits. Celui-là... C'est un 10 sur 10. Voilà, c'est le produit le plus doux, je pense qu'on aura. Oh, j'ai envie de le garder avec moi quand je dors là, mon petit nounours. Donc là, je me mets en situation. Je suis sur le point de m'échauffer pour faire du Fortnite. Je vais chauffer mes mains pour qu'elles soient chaudes. Oh, il y a si peu de batterie. Regardez, ça s'allume rouge. Vraiment, ça s'allume rouge. Oh, c'est une dinguerie. Oh, ça chauffe vraiment. Oh, ça devient chaud. Je vous jure, ça devient chaud. Enfin, ça devient un peu chaud. Pas tant que ça en vrai. Je pensais que ça allait être plus chaud. Oh là là, c'est doux. N'hésitez pas à le mettre sur toutes les meufs fraîches que vous connaissez. Comme ça, elles deviennent chaudes. Non, en vrai, ça fait une minute là que je l'ai. Je sens la chaleur. Hein. Je vous jure, c'est pas mal. Hein. Je vais voir si c'est vraiment efficace d'avoir les mains aussi chaudes que ça pour jouer à Fortnite. Mais je pense pas. Hein, on va tester quand même. Ok, là, elles sont bien chaudes. Ok, je vais pas faire le mec à dire ouais ça change quelque chose ou quoi. Mais en vrai vous-même vous savez que quand vous avez les mains chaudes, quand vous êtes bien chauffé etc, vous êtes plus efficace. Le sang il circule mieux. Je pense qu'on a déjà tous joué avec les mains hyper froides glacées et c'est pas du tout agréable. C'est pas mal du tout. Tu rentres des cours, il faisait archi froid dehors, etc. En hiver, t'as envie de faire une petite game de Fortnite. Mais tes mains elles sont archi froides, tu peux pas jouer. Oh putain! Oh c'est archi chaud! Oh bordel! Non, je vous jure, les mecs, ça brûle. Oh vraiment, ça brûle là. Ah, il était juste en route en fait tout à l'heure. Là, ça brûle. Oh oh, ça fait du bien. Oh, comment ça fait du bien? Oh bordel, je vais plus le lâcher. Hein. Allez, on continue la vidéo. Segundo producto. C'est une souris verticale avec un joystick. On a câble, souris. On a un CD. Wow. Oh bordel. Oh c'est quelque chose. Hein. C'est Oh la souris est mastoc hein. Mais ça peut glisser ça. Ça glisse que dalle. Hein. Elle s'arrête instant. Vraiment, c'est horrible. On débranche la meilleure souris du monde. Vous les voyez les LED? Oh les lumières. Oh l'objet qui coule. Mais attends mais mon sol. C'est ça mon sol. Ah oh, c'est impossible. Hein. Mon seul, les mecs, c'est ce bouton-là. Regardez, mon seul, c'est ce bouton-là. Hein. Ah, je vais tester le joystick. Ah, le joystick, il me sert pour avancer. On va lancer une game, c'est obligé. C'est obligé. Je vais enlever mes touches pour bouger les refs. Regardez comment j'attrape ma souris, sérieux, mais ça a aucun sens. Hein. J'attrape comme si j'attrapais un gosse là qui m'avait fait du mal. Ah, je peux sauter. Je peux sauter si j'appuie sur le joystick. Regardez, je saute. Non, bordel, j'allais le tuer. Oh, j'allais lui mettre mon 203. On va essayer de jouer, mais sans le joystick. Juste avec les clics sur la droite, là. Déjà, rien que ça, je vous jure que c'est chaud. Oh, bordel. Oh, mais... Non, mais les mecs, ici. Les mecs, si en plus vous cassez, ça va pas m'aider, hein. Le sol il est trop chiant à mettre. Non mais lui aussi c'est un tryharder. Oh moi 203 j'ai mis.
J'ai mis 203. J'ai mis 203. C'est la meilleure souris du monde. Le mec, il s'était pas acheté le produit sur Amazon. Écoute que j'ai mis 203. Oh la pougnette. Verdict, je suis pas totalement fan de ce produit. En soit, que les clics soient à droite ou pas, bon, c'est chiant, mais tu peux t'habituer. Mais le joystick en haut là, faut. Non, ça faut arrêter ça. C'est une gaming mouse. C'est-à-dire qu'elle a été designée pour le jeu vidéo. Non, pas Fortnite en tout cas. Troisième produit, les refs, c'est les manchettes pour les bras. Vous savez, il y a pas mal de gens qui en utilisent. Je pense à Noirelli, à King. Il y en a plein d'autres qui en utilisent. En gros, c'est des manchettes comme ça que vous mettez sur votre bras et ça vous empêche que votre bras glisse pas lorsque vous êtes en train de jouer. Imaginez, je sais pas, vous êtes dans un environnement où il fait chaud comme moi avec les lumières ou bien au Maroc quand il fait hyper chaud. Votre bras il va transpirer, ça va accrocher au tapis. Perso, je kiffe de fou. N'hésitez pas, les mecs, c'est pas sponsorisé. Hein. Je l'ai acheté chez Arnova et pour avoir testé, je vous assure, c'est beaucoup mieux. Je vous fais un exemple. Vous voyez, là, j'ai un bras avec et un bras sans. Le bras avec la manchette, il glisse normal. Sur le tapis, c'est super bien. Et l'autre bras, bah il glisse pas aussi bien. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas moi je le ressens. Je vais parler un petit peu technique là, ça va peut-être vous casser les couilles si ça vous intéresse pas à passer un peu la vidéo. Mais en gros, si vous avez des sensi qui sont basses sur Fortnite, vous êtes à 800 DPI, 5, 6, voire 7 de sensi, ça va hyper vous servir ça, parce que vous allez pouvoir toujours faire des grands mouvements de bras, et sans pour autant que ça affecte votre aim. Votre aim elle va toujours rester la même, parce que vous allez avoir la même friction avec votre tapis, et vous allez pouvoir faire des grands mouvements. Je vous jure, c'est hyper efficace, vraiment. Hello dude. Hello. What's up? You fine? Maybe. Box. Where are the running? Dead? Oh, the wall. Ah, oh, never mind. Dead. Nice, good job, bro. Good job, dude. You're good. Good you're job, good. Let's go. Nothing, let's go, bro. Let's go, daddy. Puppy. Wow, calm down, calm down, calm down, calm down, calm down. He just fucked me in my asshole. Pretty deep. GG. GG. Oh là la manche. Oh la manchette. La manchette qui carry. GG. Avant-dernier produit, les mecs. Celui-là, je suis hype. Le dernier, je suis un peu plus hype quand même. Mais celui-là, je suis pas mal hype. Vous le voyez par vous-même, c'est le plus gros colis. Oh, ça a l'air d'être un beau packaging. Ouh. En même temps, ça coûte cher. Et en fait, je crois que je l'ai acheté 180€. Tout un truc, il y a toute une affiche pour vous expliquer comment ça fonctionne. La marque, c'est Azeron. Vous allez voir, les mecs, c'est pas mal comme produit. Je voulais tester ça au moins une fois. Oh, ouh. Oh là 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 là. Oh, le flow que ça a. Oh, ça a de la patate. Hein. Visuellement, ça envoie de fou. Hein. Ça a trop de flow, je vous jure. Oh, wow, j'ai pas les mots. J'ai envie de tester. Il y a le câble pour brancher. Wow, ok, je l'ai branché. Ça s'allume. Ça s'est allumé, les refs. Il y a une petite lumière. Le bail a trop de flow. Je suis désolé. Mais ça vient du futur cet objet. C'est un délire le design. Ah, donc ça c'est les boutons du haut, c'est ça? Ah. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop bien ça par contre. Réfléchis à toutes les touches que je mets et ensuite on revient les mecs. J'ai mis toutes mes touches de constru. Donc là, si je veux me boxe, je peux. Si je veux edit, je peux edit. J'avance. L'esca sol cone, edit. Là ensuite on pisse contrôle. Hop. On repart pour edit. On met un esca, on prend le pompe et là ta. Par contre le joystick est beaucoup mieux que sur la souris verticale. On saute. On met l'esca et ça repart. Je m'emmène les pinceaux, c'est horrible. Je connais un youtubeur en plus qui l'avait testé en vidéo. Lui, il s'en sortait plutôt bien en vrai. Il s'appelle Wig. Je crois que lui il joue comme ça. Je sais pas si je dis de la merde ou quoi, mais il me semble que lui maintenant il joue comme ça, juste avec ce truc là. Le clavier Azeron. 26 touches. C'est énorme. Si je tue un mec, c'est révolutionnaire, je vous assure. Rapide. Allez. Arrête de tricher toi aussi là. Salut mon pote. Hop là. Non. Bon, les refs. Ok, ce produit, j'aime bien. Faut s'habituer, c'est long, c'est compliqué. C'est pas simple du tout, faut avoir la détermination. Honnêtement, en vrai, il est pas mal du tout. Mais pour le prix, ça, 180 balles, vous pouvez avoir un bon clavier, une bonne souris à ce prix là. Il y a des gens qui vont kiffer, des gens qui vont pas kiffer, mais faut tester, c'est obligé. On passe au prochain produit, les refs. Produit les refs est censé être un clavier laser. On va tester ça tout de suite les mecs. C'est censé projeter mon clavier sur la table. C'est très légèrement projeté les refs. Hein. C'est très très léger. Je sais pas si ça va voir la caméra. Mais ça, ça me hype. Ouais. Bon, les mecs, je vous spoil, on s'est fait ken, hein. C'est bon, je vais allumer les lumières.
Je vais essayer de jouer avec, mais je crois qu'on s'est fait canner. Premier truc, s'il y a de la lumière, on voit rien. On va essayer d'éditer. Ça marche. C'est incroyable. Par contre, on a un problème, c'est ça. C'est qu'il faut pas rester appuyé sur la touche, du coup. Là, je vais appuyer sur ça, normalement, ça va mettre un SK. Là, ça va mettre un wall. Je vais aller à droite, ok. Ah non, finalement, je vais aller à gauche. Ok. C'est dommage, je peux pas avancer. Putain, j'ai trop le seum. Ça avance qu'une seule fois. Oh, incroyable. Ok, faut rester appuyé longtemps dessus. Ah non, c'est bon. Apparemment, il y a un petit temps avant que le truc il se détecte, quoi. Je suis stupéfait par le produit. C'est pas efficace, hein. C'est un truc de fou. Je vais essayer de faire un altab. What the fuck, je suis sous le choc. J'espère en tout cas les frérots que cette petite vidéo vous a plu. Le dernier c'était vraiment celui qui me hypait le plus. Je vais pas vous mentir, je voulais vraiment voir ce que ça rendait. Laser et tout sur le bureau, si ça allait se voir, si ça allait fonctionner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les refs si ça vous a plu. À me dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode, vos idées d'objets que vous avez envie que je teste. À mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification les refs, abonnez-vous, c'est super important. Et activez la cloche de notification. Code UMS dans la boutique les refs, c'était UMS. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Ciao.